Aïe Bobo. Shelby, quelles sont les bonnes nouvelles? Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Shelby Jean-Baptiste. Comme d'habitude, au Journal des bonnes nouvelles, nous avons pour vous que des bonnes nouvelles. Ce soir, elles vous parviennent directement du pays des souverains, là où les nouvelles n'ont jamais été aussi bonnes. Sans trop tarder, je cède l'antenne à Renel. Bonjour, Shelby. Quelle est ta bonne nouvelle? La bonne nouvelle? Kentucky a fini. Kentucky est mort. Le colonel a perdu la guerre. Je n'arrive pas à voir la bonne nouvelle là-dedans. Là! La question. Je viens d'acheter la dernière franchise de poulet frit Kentucky, remplacée par le poulet créole. Comme tu le sais, tout le monde le sait, 99% de gras, 1% de poulet. Avec le poulet créole, vous aurez 99% de poulet et 1% de poulet, donc 100% de poulet. Ça va vous donner l'eau à la bouche au lieu du gras et le cholestérol. Mes poulets sont élevés à l'air libre, sont bio, nourris au grain. Et je leur joue même de la guitare. Imaginez des poulets dansants, créoles. Ça, c'est une excellente nouvelle qui mérite des applaudissements. Comme tu l'as dit, au Journal des bonnes nouvelles, on n'a que des bonnes nouvelles. Regarde, regarde ce paysage. Il n'est pas magnifique. Shelby, je te présente le paradis. Gaétan, je ne sais pas où est-ce que tu es. Tu me parles de où exactement, Gaétan? Je te parle en direct du Venezuela, en direct de sa belle nature et de ses belles montagnes. La bonne nouvelle, c'est ma bonne nouvelle. Je viens tout juste de terminer de construire la maison de mes rêves. J'ai toujours voulu être là. Ça y est, j'y suis. Je ne suis pas tout seul. Je suis venu avec ma femme, Joanie. Et j'ai des panneaux solaires. J'ai toute l'énergie dont j'ai besoin. Je suis autonome. Ça fait 5 ans que j'ai voulu réaliser ce rêve. Et j'y suis parvenu. Avec ce projet, bien sûr, je veux ouvrir une nouvelle page dans ma vie. Ici, je me sens renaître comme le phénix. Les gens, l'eau, le soleil me donnent une nouvelle vie à vivre. Je ne sais pas si je vais revenir à Montréal, mais je voudrais quand même faire mes salutations à tous mes amis du Centre-Sud. Je vous remercie d'avoir été mes frères et mes sœurs. Je change peut-être de vie, mais jamais je ne vous oublie. Alors, ici, il y a de la place pour tout le monde. Allez les fous, ramenez-vous. Ici Gaétan pour le Journal des bonnes nouvelles. Je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie, Gaétan. Merci, Shelby. Mesdames et messieurs, le Journal des bonnes nouvelles vous amène un peu plus loin que le Venezuela. Bonsoir, Miguel. Tu es où? Je suis dans l'espace, plus sur Terre, je suis sur la Lune. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Très bientôt, je serai de retour sur Terre, mais la bonne nouvelle, le scoop, c'est que je ne serai pas seul. Je serai accompagné de 20 enfants lunaires, 20 orphelins qui ont gagné un concours, un voyage, ils réaliseront le rêve de leur vie, visiter la Terre. Alors je profite de ton journal pour envoyer un message très important à tous les terriens et terriennes. Terriens et terriennes, préparez-vous à cette visite historique qui marquera un ère nouveau entre la Lune et la Terre. Je dis préparez-vous, parce que les lunaires sont allergiques. Allergiques à la pollution de l'air, parce que sur la Lune, l'air est pur. Donc vous disposez de 5 jours pour purifier l'air de la Terre. Comment purifier la Terre en 5 jours? Mais c'est impossible! On ne peut pas effacer 2 siècles de pollution en 5 jours! Mais c'est un objectif très réalisable, cher Shelby. Quelques jours sans voiture, sans avion, sans camion, sans aucun moteur qui roule et surtout sans guerre. Il suffit de suivre les instructions de mon livre, mon best-seller interstellaire, « Quand la Terre dit bonjour à la Lune ». C'était Miguel Mandembo pour le Journal des bonnes nouvelles en direct de la Lune. Le plus dur, ça va être d'arrêter la guerre. Bon retour sur Terre, Miguel. Ok, bonjour, bonjour. À toi maintenant, Michael. Bonjour, Shelby. Je suis là, en direct de mes 75 ans,
pour rappeler l'importance d'apprécier sa vie, parce que moi, je n'ai aucun regret. Je suis là simplement pour dire que ma vie, je l'ai aimée, je l'ai adorée. Comme je n'ai grandi pas de père, j'ai décidé de faire des recherches pour connaître mon père. C'était une partie de moi que je sentais inconnue et que je voulais reconstruire. Personnellement, moi, je n'ai aucun regret. J'ai adoré ma vie, malgré ma jeunesse rude. C'était l'enfer. Eh bien, je me suis repris. Ça a abouti. J'ai connu mon père. Du Salvador, je suis allé. Et finalement, j'ai réalisé mon rêve. J'aimerais dire aussi, rest in peace à ma mère. Je n'ai jamais manqué d'amour. Elle était malade, elle était là. Et elle est morte en sachant que son fils, lui, a changé pour de vrai. Et finalement, j'ai réalisé mon rêve d'être auteur, compositeur, interprète. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, des petits-enfants. Et mes petits-enfants, je les aime de tout mon cœur. En direct de mes 75 ans, oui, c'est le jour, c'est ma fête. Je t'appelle en direct du Salvador, le pays de mon père. Merci au Journal des Bonnes Nouvelles. À toi, Shelby. Mais maintenant à toi, Spencer. Quelle est la bonne nouvelle que tu nous apportes? Alors, je ne sais pas pour vous si c'est une bonne nouvelle, mais je viens d'être nommé pour être président de Radio-Canada. Pour moi, c'est une nouvelle ordinaire, puisque le commissaire de l'ONF est noir, le premier ministre est un noir, le gouverneur général est aussi un noir, la ministre des Finances est une noire aussi. Je te laisse juger pour savoir si c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne peux pas vraiment me prononcer puisque moi-même, je travaille pour cette chaîne qui est Radio-Canada. Et même la femme du premier ministre, elle est noire. Merci beaucoup, Spencer, et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Je me tourne tout de suite vers Ayoub, qui nous parle directement de la Palestine. Ayoub, tu es là? Je te parle, Shelby, en direct de Jérusalem. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la réalisation d'un grand rêve. J'ai vécu toute ma vie à attendre ce moment. Aujourd'hui, je peux le dire et le crier haut et fort. Vive la Palestine libre! Oui, vous m'avez bien entendu, la Palestine libre! Je suis arrivé juste à temps. J'ai assisté à la déclaration d'indépendance du président de la Palestine, en présence du président des Nations Unies et le premier ministre d'Israël. Effectivement, l'indépendance de la Palestine, c'est une très bonne nouvelle. Mais dis-moi, Ayoub, en tant que Québécois d'origine arabe, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette bonne nouvelle? Elle redonne la dignité à tout un peuple. Et je fais partie de ce peuple. Je considère que cette bonne nouvelle va être accueillie avec joie auprès de tous les peuples, y compris les Juifs d'Israël. L'indépendance de la Palestine, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Pour répondre à votre question, Shelby, je suis ici en tant qu'architecte bénévole pour venir reconstruire Gaza et la Palestine libre. Ici Ayoub, au Journal des Bonnes Nouvelles. Merci beaucoup, Ayoub, et bon courage dans ta nouvelle mission. Haïti, Kébéla. Sans trop tarder, je cède l'antenne à Renel, qui nous parle directement de Port-au-Prince. À toi la parole, Renel. Quelle est ta bonne nouvelle? Bonjour, mademoiselle Shelby. Effectivement, je te parle de Port-au-Prince. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Le président est parti. Oui. Le président est parti. Le président des Américains, de la communauté internationale, il est parti. Il a été chassé par le peuple. Regardez la liberté. Regardez le sourire. Regardez la danse. Les Haïtiens, ils sont contents. Ils ont un nouveau président. Le président des Américains est parti, mais celui des Haïtiens... Et qui est ce président? Il est là devant toi. C'est moi, le paysan. Le nouveau président élu par le peuple qui est libre. Ils ont élu un paysan, un Haïtien, un vrai. Non, quelqu'un choisi par la communauté internationale. Le président paysan, c'est moi. C'est moi, Haïti Kébéla. Monsieur le paysan président, puisque vous connaissez très bien Haïti, quel est votre programme pour améliorer la situation des Haïtiens? Haïti, comme vous le savez, est l'un des pays les plus pauvres de la Terre. Très bonne question, Shelby, vraiment. Mais comme tu le sais, Haïti, c'est la première république noire depuis 1804 à être indépendant. Donc, si nous avons été capables de combattre
de chasser l'armée de Napoléon, nous sommes capables à présent, avec moi comme président paysan, de changer Haïti. C'est vrai, ça va être difficile. Mais l'impossible n'est pas haïtien. Ce que je vais amener pour les Haïtiens, c'est la liberté d'expression. Non de dictature, non papa doc, non baby doc. Merci au peuple qui m'a élu en tant que président paysan d'Haïti. L'impossible n'existe pas. On peut y arriver. On va y arriver. On est déjà arrivé. J'ai été très heureux de te partager cette très bonne nouvelle au Journal des Bonnes Nouvelles. Merci beaucoup, Renel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et on se retrouve très, très bientôt pour une autre édition du Journal des Bonnes Nouvelles. Ben Mounio, aïe, bobo! Sara, Sara, din, tere bin, huni nahi guzarda yara. Sari, sari, raat, aave ba, kanda par nungara. Tute sanu tur gaya lake, tute sanu tur gaya lake, umra dalara hun nahi guzara. Sara sara din tere bin hun nahi guzarda yara. Jo tur jande ne ਮੁੜਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੜਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਜੋਗੇ ਮੋੜਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਜੋਗੇ ਮੋੜਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ